Eh bien salut à tous les amis, c'est Cybercourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Phasmophobia. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo Phasmophobia avec toujours en compagnie Perdition. Salut Perdition. Salut. Du coup, eh bien regardez ce qu'il y a. Eh bien le Papa Noël est arrivé sur Phasmophobia, effectivement. Le Père Noël, il y a un event Noël. Et donc... Pour ça, on va aller récupérer un petit truc ici. C'est ça, hein, Perdi, toi qui l'as déjà fait. Non, pas tout. Ouais, t'as pas tout fait, mais t'as fait la partie au moins sur semi. Oui. Voilà. Alors, du coup, pour ça, on a fait une difficulté personnalisée pour qu'on puisse ne pas mourir. Parce que de toute façon, ce qu'on veut, c'est juste récupérer des items. Qui sont sur ce nid, et une fois qu'on aura récupéré ces items, et ben on va pouvoir faire dans une seconde partie la chasse des bonhommes de neige, si j'ai bien compris. Oui. Alors c'est parti, on se met prêt et on va partir après l'intro. Et re les amis, du coup, alors. Déjà, quand on voit l'état des clés, ça donne pas envie. Hein. Mmh. De toute façon, du coup, là, on peut prendre les grosses lampes, j'imagine. Ouais, c'est mieux. Plus efficace que... Wow! Alors, j'ai jamais été sur cette map-là. En plus. Donc, moi, je vais la découvrir. Il y a quoi à ramener du coup? Est-ce qu'on sait ce qu'il y a à ramener? Des morceaux de... d'armes. Enfin de... Ah oui, là regarde, c'est écrit 0 sur 3. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Il faut qu'on les ramène ici au camion. Non, il faut juste les ramasser. Comme d'accord, ok. Comme des os. Ok, ok. Ok. Wow! C'est pas ce quoi ici? Et la messe? Il se passe des trucs chelous quand même à la messe là. Ouais. Bonhomme de neige. Oh. Putain. Ah, j'arrive pas à couper ici, c'est bien. Je suis passé. Ah bon. Ouais, je suis assez grand, hein. C'est quoi, c'est un orphelinat? Et encore, oui. Non, c'est un asile. Un asile. Oh. Ah. Donc tu vois, il y a un bonhomme de neige qui t'indique, les bonhommes de neige, ils t'indiquent où sont les morceaux de d'armes. Donc là, ils pointent derrière la porte. Alors... Ah oui, c'est des cadeaux, là. Okay, donc c'est ça. Là... On en a un. On en a un. Et donc, il faut trouver les bonhommes de neige qui nous indiquent, du coup, le chemin qu'en gros qu'on doit... Wow! Et bah, je suis quand même pas à l'aise. Alors que j'ai mis la difficulté. Donc on a créé une difficulté rien que pour ça. Ah, on a trouvé un morse. Il te le donne celui-là. Oh, bon, oui, tiens. Oh! Ok, donc là, on en a 2 sur 3. Et ça, ça fait partie de la map, ça. Oh. Oui. Et le fantôme peut être là aussi. Wow. Il peut être là aussi, oui. C'est un truc là. De fou comment c'est grand. Oh! Yo! Bonsoir, toi. Oh! Y'a que le petit rire qui dit qu'on a complété notre arme. Re les amis, du coup, ici on va lancer du coup une partie normale.
Du coup, on va trouver le fantôme et on va chasser du coup aussi le petit bonhomme de neige. Vous voyez, là, c'est indiqué par les petits bonhommes de neige. Donc, on a trouvé les trois parties. Maintenant qu'on a trouvé les trois parties, on va pouvoir aller chasser les bonhommes de neige ainsi que les fantômes. Donc, je t'invite à mettre prêt, Gardi, et puis on va pouvoir partir sur la véritable chasse de fantômes. Hein. Là, c'était la chasse du pistolet, si j'ai bien compris. Et voilà. C'est beaucoup plus rapide. Tu as changé quelque chose? Oui. Je suis passé du disque mécanique au disque NVMe. Ça c'est bien. La vitesse du disque impacte énormément sur le temps de chargement des jeux. Donc. C'est pas mal, c'est pas mal. Des choses pas. Ah c'est une difficulté normale. Oui, c'est professionnel. Oh, bah tiens. Ok. On a direct le. On a direct le. L'orbe. Non, c'est pas l'orbe, mais le l'os. Tu l'as pas vu à l'entrée là? Ah oui. Bon, comme si c'est comme c'est professionnel, je vais prendre. Photo. Ouais, là on fait une vraie chasse, on fait une vraie game. Une vraie game. Il y a une cachette dans le. Oh, il y a un bonhomme de neige. Qu'est-ce que je fais? T'as oublié de prendre le pistolet dans le garage. Dans le camion. Ah, ok. Bah, je vais faire ça alors. Hop. Voilà. Je vais prendre le pistolet du coup. Et du coup, on va regarder ce qu'il faut faire. Moi je découvre en même temps que vous, vous aimez bien, hein, pour vous dire. Oh, ça ressemble à ça. Waouh, mais c'est quoi ça? Ouais. Ah oui, non, mais il avait même un là, ouais, je l'ai même pas vu. Oh. Ouais, il y en a même dehors, ouais. Ok, ok. Phasmophobia, ça devient un FPS. Non, c'est un truc de oui. Ouf. Attention, petit bonhomme de neige là-haut. Hop, et il y en a encore un là-bas. Wow. Il y en a encore un là. Oh, il y en a combien? Je regarde, c'est marqué sur le camion, je peux regarder. Et j'en ai déjà vu quelques-uns là, mais. Il y en a aussi dans la maison et tout. Il y en a 33. D'accord, excusez-moi, hein. Peut-être une réaction un petit peu abusée, mais je m'attendais pas à ce chiffre-là. On pensait que Halloween c'était un truc, et voilà. Un truc, il faut y récolter les preuves. Et du coup, je comprends pourquoi est-ce que tu voulais qu'on fasse une la game en difficulté personnalisée aussi là. Parce qu'il y en a énormément en fait. Il faut le faire sur toutes les maps avec un bonhomme de neige. Il y en a qui sont très discrets. Moi je croyais que c'était juste d'accord, pas du tout. Tu vois, il y en avait même un là. Ils sont très. Il y en a qui sont beaucoup bien cachés. Hein. Oh la vache! En train de tout bouillard là ce que je vois, mais c'est vrai que. Oh bah je crois que le fantôme il est dans la salle de bain. Je viens de recevoir un truc sur ma tête. Attends, hop, le pistolet. Regarde aussi les murs et les plafonds.
jamais. Hein. Ça peut aussi être au plafond. Oh, bah j'ai vu un beau dots. Ah. Eh bah je direct. Dots. J'ai à peine posé qu'il m'est apparu comme ça. Hein. Sur la tronche, le dots. Je l'ai vu de mes yeux vus, hein, pas de la caméra. Hop. Ah, c'est retrouvé l'invocation aussi. J'ai pas de voir toi. Hein. Yo. J'entends écriture. Ouais, je l'ai entendu aussi. Donc, alors, je mettrai un bout. Je mettrai un crucifix peut-être, non? Attends, j'ai pas vu d'orbe, donc je... c'est peut-être un déogène encore. Un déogène? Je teste ça vite fait. Where are you? Ah, j'ai pas configuré mon... Oh, oui. Ok, c'est un déogène. Donc pas de cachette, de toute façon ça sert à... C'est un déogène, ouais. Donc faut pas se cacher. Se coincer dans un coin, quoi. Ah, et aussi, lorsque t'auras buté tous les bonhommes de neige, le fantôme va chasser. Hein? Ah ouais, bah ça c'est sympa de me prévenir. Pour le coup, moi je suis en train de faire de la chasse au bonhomme de neige. Ah ouais, il y en a aussi derrière les portes, fais gaffe. Alors, attends, parce que du coup, là on a tout, mais attends, je vais aller regarder combien, quand même, à combien est-ce qu'on est de bonhomme de neige. Parce que s'ils chassent juste derrière, ça peut être chaud. De toute façon, je pourrais tourner autour de la table pour, si tu dès que tu vas taper le dernier bonhomme de neige. Justement, faut regarder. On est à 29 sur 33. C'est pour ça que je recommande oui, à ceux qui veulent faire sur YouTube de trouver le fantôme. Avant de tirer le dernier bonhomme de neige, ouais. Oui, parce que là dans le cas c'était un déogène, si on savait pas ça, on aurait été dans la merde, si on était parti se cacher. Ouais. Moi je serais bêtement parti me cacher. Hein. Alors. Donc 29, okay. Il en reste plus que 4. Ça doit être ce soir là, non? Alors, j'ai déjà été au sous-sol, mais tu peux aller vérifier parce que... Wow! J'ai pris de quoi me défendre, hein, sinon j'ai essence et tout, ensemble et tout. Après, comme je vais pas allumer tout... possible, effectivement... J'ai loupé des bonhommes. Je voudrais un bonhomme de neige. Plus simplement un bonhomme de neige. Oh! Là, dans le garage, j'en ai vu un. On a vu d'autres, toi, dans le garage? Enfin, au sol là? Au sol, non. On s'est fait le tour. Donc, je vais regarder avant de le shooter, savoir où est-ce qu'on en est. Savoir si on a retué des bonhommes de neige ou pas. Si on le tue, il en restera 3, je crois, non? Attends, je vais regarder. Ouais, c'est ça, 29 sur 33, on est toujours... Donc là, ça va être le 30e, qui est dans le garage à l'étage du dessus, sur l'étagère en haut. Je regarde s'il y a dehors. Ou si on peut tuer les derniers bonhommes de neige dehors aussi. Si... Ouais, mais du coup, moi, je les ai tous dégommés, je crois, dehors. C'est aussi une astuce, quoi. Ah ouais, ça peut être un bon trick ça pour YouTube, c'est cool. Vous voyez, Perdi, il est même gentil, vous donnez les mêmes meilleures astuces pour... Moi j'étais pas au courant, du coup je les ai tous dégommés, mais c'est vrai que...
C'est une bonne astuce. Au pire, on se garde celui qui est dans le garage en dernier, non? C'est vrai qu'on peut tourner autour de la voiture pour le Diogène. Je pense que hein, ça peut être cool, non? Mmh. Me dis pas que ça peut être caché là-dedans. Crois pas, non. Tu l'as vu, hein, du coup, celui qui est resté. T'as pris en photo le. Est-ce qu'on fait les photos et tout, machin, ou... Oui, c'est vrai que je pourrais prendre les photos, ouais. Je sais pas, hein, je te pose la question, savoir si on le fait vraiment ou pas. Si on fait vraiment la game à 100%, ou si on essaie de faire une game parfaite en même temps de shooter tous les trucs. Et bon nombre de neige. Ouais, bah, je crois que le fantôme a allumé la lumière ici. Ah, il y en avait un là, j'en ai trouvé un. Ça il est sur la commode dans la chambre. J'ai refait un petit tour au sous-sol, il n'y a rien. Elle est là, si tu veux. Oh. Ah oui. C'est vrai que j'ai pas de check non plus. Hein, et... Donc, les chambres, j'ai fait très rapidement. Ouais, j'avoue que du coup, ça complexifie le truc, en fait. Et c'est pour ça que je comprends c'est mieux. C'est moi le fantôme est là, maintenant. C'est très long. Possible, hein. Ah oui, il y a de la buée. Ouais. Enfin, j'ai la température froide. Il a éteint la disjoncteur. Oh. Non, il chasse pas. C'est un événement. 3 étoiles, nice. Oh, j'ai cru qu'il chassait, je me suis dit wow. Pas prêt, moi, je suis trop jeune pour mourir. Ouais, ça m'a l'air d'être un petit peu quoi. Je vais juste revérifier, hein, mais je crois que dehors je les ai tous. J'ai tous eu. Et ouais. Ouais, parce que ça apparaîtrait pas non plus vers le camion. Mais... Ah, j'ai pas regardé dans le camion. On est 30. On est à 30 sur 33. Est-ce qu'il peut y en avoir dans le camion aussi? Peut-être. Pourquoi pas. C'est un truc qui est bien 4, ça. Ouais, hein, d'ailleurs, si vous devez le faire, n'hésitez pas, hein, invitez vos amis, parce que c'est vrai que... En solo, ça doit être bien plus hardcore. À moins de le faire dans la difficulté personnalisée qu'on a fait pour récupérer le petit pistolet. En vrai, de vrai. Ça doit être plus corsé. Où es-tu, petit bonhomme de neige? Vraiment, je vais avoir envie d'ouvrir tout. Hein. Parce que, ok, il y en a un là. Mais ça fait que le 31ème sur 33. Sauf
faut aller check toutes les cachettes, savoir s'il n'y en a pas un caché derrière la cachette. On est comment au niveau santé mentale? Parce que j'ai... On doit être à 70, quelque chose comme ça. Pas du tout check. Ouais, 70. Ok, 70. Bah, en fait, je vois pas où est-ce que j'ai loupé des trucs. Qui me parle, j'ai l'impression qu'il veut monter avec moi, mais il n'ose pas. Viens, allez, viens. Excusez-moi, YouTube, hein, mais petit moment avec mon chat. Viens. Et bah, viens pas alors. Hop, alors. Oups. Pour moi, là, tu viens de transpercer la porte. Hein. Ah, j'ai pop. Wow. C'est parce que j'ai allumé trop de trucs. Ouais. Je vois vraiment pas qu'est-ce qu'on a loupé et on manque deux quoi. Ah, il y en a un derrière la clim. La clim? Ouais, dehors. Ah bah c'est bien, on va pouvoir l'éliminer en dernier du coup celui-là. Oui, il est là-bas. Je vais aller shooter celui qui est dans le garage. Ok. Du coup, on en a combien là? Et de la santé mentale, on en a combien aussi? Santé mentale, on est à 64. On a 31 bonhommes de neige sur 33. Il y en a un qui est dehors qu'on connaît. Ça, 1, 2, 3, 4, ça chasse à combien? Un Diogène? Le Diogène, c'est 40%. Ah, il est sur camion. Mais le dernier bonhomme de neige. Oui. C'est un truc de malade mental. Ah oui! De conduire. Oui, j'avais même pas vu. Mais tu sais qu'en plus. Encore plus mauvais. Je joue à Valorant quasiment tous les jours. Vas-y, je vais essayer d'enfumer le fantôme pour avoir le défi. Alors attends, c'est quoi du coup? Derrière la clim. J'ai regardé au niveau des défis. Ah, aussi, c'est vrai que tu peux regarder à quoi ressemble Santa. Où ça? Ah. Allô? Oui. C'est vrai que le fantôme va aussi changer d'apparence si tu veux montrer ça à YouTube. Comme c'est un Diogène, c'est pas trop dangereux si tu veux tourner autour de la table. Je te donne l'encens sur la table aussi. J'ai déjà l'encens, mais vas-y. Peux shooter bonhomme de neige, tu verras le fantôme. Ok, vas-y. Fais ça alors. T'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1, clic! Wow. Fermé pour moi.
le boucher mais déguisé en bonhomme de neige. Il va avoir une voix super creepy. On s'en va les amis. Non ouais c'était drôle. C'était drôle. Ah sinon c'est bon du coup on a tout. On a tout. Et regarde ça, on fait la deuxième partie en 20 minutes. Avec ce que je vais faire au montage pour le petit pistolet là, on va être super bien. Ça nous fait pas une vidéo trop longue, je suis vraiment content. Allez, bonne nuit les amis. Du coup, on va se laisser là-dessus pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les petites explications pour le pistolet et derrière les petits bonhommes de neige et tout. J'ai oublié de choisir le fantôme. Ah mince. J'ai peut-être fait un peu vite. Désolé. Mais du coup, ouais, on a même réussi à faire une game parfaite. Tout en shootant les bonhommes de neige. Alors ça, je trouve ça vraiment pépite. Du coup, les amis, n'hésitez pas à aller regarder aussi ce que je fais sur Twitch. Hein, je stream sur Twitch, je vais essayer de stream à des horaires plus convenables pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est vrai que je stream plutôt d'après-midi. Là, j'essaye de m'organiser pour faire des streams plutôt en soirée. Donc de 18h à 20h, 22h, enfin je sais pas trop encore comment est-ce que ça va se faire. Mais je travaille là-dessus pour essayer de vous faire des streams à des horaires plus convenables pour vous. Donc n'hésitez pas, le lien sera en description. Si vous voulez jouer avec moi sur Phasmophobia ou sur d'autres jeux, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera aussi en description. Et nous on va se retrouver du coup une fois que... sur Phasmophobia je parle, une fois qu'on aura complété un petit peu les bonhommes de neige. Et du coup on vous gardera la dernière partie du coup pour les bonhommes de neige ensemble. Comme on avait fait du coup pour Halloween. N'est-ce pas mon cher Perdi? Oui. Et bien nous on va se laisser là-dessus. Et puis je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine pour une prochaine vidéo.